Appreciate it. Amen. Institution. Was würdest du sagen? Jamais les démons qui sont dehors. Vous êtes passé au Cologne à dos? Le jour où vous allez aller à la Cologne, vous avez même peut-être 40 minutes sortez aller au Cologne à dos. Vous allez voir la cathédrale de dos. Et dehors, il y a des démons, il y a des monstres. Moi, je me demande qu'est-ce que les monstres ont à faire avec Elohim. Si c'est ça la raison de Elohim. Ouais, un peu. Et voilà. Et on associe ça à ça. Et ça va nous aider, c'est pas que j'ai parlé tout à l'heure de grec et tout et tout. C'est pas qu'on veut maintenant commencer à parler en grec, non, mais quand on rentre dans le grec, on a vraiment souvent la signification correcte. Exact. Et le grec est plus riche. Et c'est celui. Deutsche, tu vois un bâche, mais Deutsche ou Französisch. Schloss. Ich habe ein Schloss. Si tu veux le traduire en français, tu vas dire comment? Oui. Oda? Au d'avance, parce que ça peut être le château, mais chacun a un château, chacun a un schloss. Cadena. Tu vois? Non. Tu vois, non? Et ça veut dire que maintenant, quand on rentre dans les Grecs, ça nous fait la même chose. Toi, dis, précise, basé sur.
Ouais, non? Mmh. Quand on dit Schloss, ça peut être Schloss le château, ça peut aussi Schloss le cardinal. Et maintenant, c'est pour ça qu'on rentre dans les Grecs pour comprendre même la signification, étymologisant. Mmh. Bon. Et voilà. Et maintenant, quand pour ceux qui ont déjà reçu, peuvent bien, hein, wiederholen, église, ça vient de quel mot? Ça s'écrit comment? Eka. Et maman Céline? Maman. C'est maman Céline qui nous dit, et comment? Premier verset. Yeah. Voilà. E. Yeah. S. Yeah. Uh-huh. Of Greek, ecclesia. Ok? Mm-hmm. Le mot église, c'est le mot grec, ecclesia. Et ce mot vient de quel mot? Yeah. Ce mot, alors ça vient, qui vient? Alors qui vient du mot? Ecclesis. Amen. Et bien sûr, on va prendre un verset dans ceux qui aiment lire la Bible, n'est que la Bible. Je suis sûr que Matthieu dans quel livre? Matthieu. Ok, Matthieu, verset. Chapitre 7, verset 18. Ok. Matthieu, c'est le verset qu'on va prendre. Also Matthäus 16, Kapitel 16, Vers 8. Okay, sorry, Vers 18. Also es ist wichtig, dass wir verstehen. C'est pas qu'on veut bla 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 bla, on dit mal Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Quand on va demander église en anglais, ça veut dire quoi? Ouais, non? Non. La parole dit que mon peuple paye par. Et c'est ça. Donc, on veut donner la connaissance gratuite. Voilà. Si aujourd'hui je peux me tenir devant vous, parler ça, c'est parce que c'est pas que c'est tombé du ciel, mais j'ai été aussi enseigné. Voilà. Matthieu 16, verset 18. Je vais vérifier, c'est ça? Vous allez vérifier. Les bérets, il y a les bérets ici. Les disciples de bérets. C'est ça, non? Ok. Tu vas dire non, c'est le psaume 172. Tu vas commencer à chercher. Tu écris 172. Ok, il n'y a même pas les psaumes 72. Les psaumes, ça se termine dans quel livre? 172. Ok. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Elle m'a en français, elle m'a en français, vas-y. Et moi, je te dis, et tu es Petrus, et que sur ces rochers, je bâtirai mon ensemble. Et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Là, c'est qui parle? C'est Joshua qui parle. Il dit, et moi, je te dis, que toi, tu es Petrus. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est ça, non? Et les portes. Hades met les portes de l'enfer. C'est ça, non? Auf Deutsch? Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Okay. Quelle version du second? En allemand. En français, sorry. Lui second. Et moi, je te dis que tu es fier et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est ça que je voulais goûter. Moi, je te dis que toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre. Et c'est là où sort la doctrine que c'était Pierre, l'apôtre Pierre, qui
le père des églises. Donc c'est faux. Je vais vous faire une question négligente. Soyez sur tout le monde. Ici, on a dit Pierre, Pierre, ça non? Là-bas, on a dit que toi, tu es Pierre. Mais sur ce, roc. Ouais? Parce que Pierre, si on traduit aussi, c'est Petros. Apôtre Pierre, la personne. Petros. Toi, tu es Petros. Mais sur Petra, ce grand rocher, je bâtirai mon église, pas sur Pierre. Vous voyez un peu la raison pour laquelle on rentre un peu, on essaie un peu de rentrer dans le grec pour mieux comprendre. Et ça veut dire que Pierre, non, c'est pas lui, c'est pas celui que l'église a été bâtie, mais sur ce grand rocher, la pierre principale. Vous voyez un peu la pierre angulaire, le rocher des âges. Vous connaissez? C'est qui? C'est lui-même. Voyons, ouais, on peut voir ça dans Actes des Apôtres, verset 4. On va lire à partir du verset 12. Un exemple. À partir du verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 10. Qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël. Et c'est par le nom de Yoshua Mashiach. Okay. Qui connaît pas le nom de Yoshua? Sorry. Qui connaît pas le nom de Yoshua? Yoshua c'est qui? Va vivre exactement. Machine, on est plusieurs. Yoshua c'est qui? Jésus. Celui qu'on connaît en tant que Jésus. Ouais, non? C'est quand on parle de Yoshua, c'est-à-dire on parle de celui qu'on connaît en tant que Jésus. On peut continuer. C'est Yoshua Mashiach de Nazareth que vous avez crucifié et que Elohim a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri des mains. On continue. C'est lui, la pierre maîtrisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre principale de l'homme. Et il n'y a de salut à aucun autre. Là, pas de pierre, non? Celui qui est cette pierre qu'on a rejetée, et qui est devenue la pierre principale de l'homme. Vous voyez, non? Ok, on continue. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux humains par lesquels nous devions être sauvés. Aucun autre nom, ça. Tout le monde, le nom de qui? De Yoshua. On parle de lui, c'est lui qui est cette pierre principale. Il y a encore d'autres versets où, même dans l'Alliance, on dit que, on peut voir par exemple, et moi je te dis que tu es Pierre, on voit, ce rocher, Ésaïe 17, verset 10 par exemple. Ésaïe 17, verset 10. An den Felsen deiner Zuflucht. Auf was soll er die kommen? Jesaja 17, 10. Parce que tu as oublié le nom de ton salut et que tu n'étais pas souvenu du rocher de ta force. Le rocher de notre force, c'est qui? C'est Yahweh lui-même. Ouais, non? Ça nous montre que. Écrivez le verset là de ce verset. À ce complet, ça va vous aider. Voilà ce que je vais faire. Ça va nous aider à bien expliquer que tu es. Que. Donc, et je. Je Matthieu 16.
schreiben. Mhm. Ça nous aide à mieux comprendre. Vous voyez, ici on a expliqué, alors si vous avez écrit, vous me dites. Donc voilà, c'est pas ce que le Seigneur avait dit, le fait que les autres aussi coupent les disciples. Demain aussi, toi aussi tu pourras aller. Et de faire aussi d'autres personnes aussi, tes disciples. Tu vois, un peu, dans ce style. Ça sert à rien que si moi je veux être prédicateur seul, mais j'ai vraiment beaucoup de travail. Mais si on est une armée de 1 million, c'est bon, non? Ça se multiplie, tu sais, automatique. Et si le Seigneur était égoïste, est-ce qu'il allait former les 12? Il les a formés, non? Pour qu'eux aussi, ils forment les autres. C'est ça. Là, je dis, Seigneur, moi, je t'ai dit que toi, tu es Pierre. Petros, ce petit caillou. Petros, c'est un petit caillou, un Kalenstein. Ah bah, sur ce roc, Petra, le nom Petra. Alors, allez, vous connaissez Petra, c'est un gros rocher roc. Moi, je connais un Petra, elle est vraiment hâte de France. Sûrement, ça vient de son nom. Je bâtirai mon nez. Son église ou bien mon église? L'église de qui? L'église appartient à qui? Il n'a pas dit mes églises, mon église. Vous voyez un peu? Donc, si on parle, comme on disait tout à l'heure, des bâtiments, chaque bâtiment a sa doctrine. Benenum, nous on est orthodoxe, pentecôtiste, bima, comment on appelle ça? Néo-apostolique. Vous voyez un peu? Il y a plusieurs. Mais ici, il a dit, je bâtirai mon église. Et maintenant, on se pose la question, Belche, font des églises dans le monde. Vous savez, Belche. Est-ce que vous souffrez le nom? Belche. Je bâtirai mon église. Mon église, et les portes. Le maquillage. Mon église. Also eine. Et ici on voit les portes. De l'autre côté, il y a plusieurs portes. Les portes de l'enfer ou de Hadès. Hadès, c'est traduit en grec. Et en français, Hadès donne enfer. Ne prévaudront pas contre son église. Welche Gemeinde kommt der Hölle? Catholique, évangélique, ou d'autres aussi vont dire que non, Mecca, là-bas c'est là-bas qu'il faut aller, pèlerinage, c'est comment on appelle ça. Si c'est à Lourdes, Velche. C'est une zone où je suis en train de me voir, c'est je me vois. Même les gens qui se disent de réveil, ils sortent de là-bas, après l'autre c'est montagne de feu, l'église des saints, vous voyez un peu? Velche. Oh prophète Intel, oh prophète Intel, oh ministry Intel, Velche, qui m'a dit qu'on est parce que chacun sait quoi être dans le vrai. Mais ici, il a bien dit que l'église, lui, appartient déjà à lui seul, parce qu'il ne partage pas sa gloire. Et c'est ça l'église que vous avez cherché. Bien, c'est ce qui m'a dit. Frère Gessage. Bistouin, c'est ce qui m'a dit, ou Bistouin, c'est ce qui m'a dit, bon. Mais Bistouin, c'est ce qui m'a dit. C'est vie dans la Gemeinde. C'est la question qu'on doit se poser. Parce que c'est ça l'église qui va venir chercher. Ouais, non? Pour être membre de cette église-là, c'est où qu'on s'inscrit? C'est où il y a le formulaire? Oh, membre, carte de membre. Parce que moi, je vais aller. Quand il va venir chercher cette église, moi, je vais être là. Voici les conditions. Ouais, un peu? Was sind die Konditionen, damit ich Mitglied werde dieser Gemeinde?
Et maintenant, on va expliquer un peu ce mot Ecclésia. Amen. Ecclésia, on voit ici, elle est là. Il y a deux cas. Si on les partage ici, ceux qui ont déjà reçu, Bédumelle. Et qui veut dire quoi? Order. Et Ecclésia, ça veut dire? Appeler. Ça veut dire, il y a deux cas. Ce sont deux mots. Ils ont mis ça, ils ont combiné ça, ça donnait le mot Ecclésia. Oui, Ecclésia. Amen. Amen. On dit or, telle partie ici. Je vais dire. Yes. Ordre. Là, et ça, appel. Vous pas écrit. Non. Il pas tout. Appel. Ordre et à appel. Dans un cas, forme église, qui m'a une web, c'est là où que sort le mot église. Le nom, plutôt, quand chaque nom a son caractère. Moi, je peux peut-être que c'est Patrice. Ça, non? Tu connais la signification de ton nom? Oui, tu vois, c'est quand on appelle aussi. La signification, tu vois un peu? Et c'est pour ça que vous voyez qu'on a parlé de Yeshua. Parce que le salut vient des Juifs. Et Yeshua, c'est un nom juif. Et qu'est-ce que les gens qui ont fait, qui traduisaient la Bible, ils ont traduit ce nom en grec? Ok, notre frère Patrice, ici, même s'il a quitté. Supposons qu'il a quitté l'Afrique et est venu ici. Les Allemands vont toujours l'appeler Patrice. Oda? Ils vont dire non, Patrice, je suis une naine, je suis Patrick. Non, Oda? Non. Ça reste Patrice, non? Même s'ils écrivent un livre sur toi, ils vont toujours écrire Patrice. C'est-à-dire, on ne traduit pas les noms. Et son nom, c'est Yeshua. Fades. Yude, il veut dire. Ouais, non? Et c'est même pas quelque chose qui est caché parce qu'on le connaît. Mais on nous a mis dans la tête que c'est Jésus, quoi. Donc son vrai nom, c'est Yeshua. Et Messie veut dire Mashiach. Est-ce qu'on ne vous trouve pas quand on dit Yeshua parce que c'est son nom? Amen? Et maintenant, pour comprendre aussi, Ecclésia. Allez, dit Ec. Le mot Église veut dire hors de appeler. Ça veut dire l'Église sont les personnes qui sont appelées de sortir de quelque chose. Amen. Amen. Qui les appelle? Le propriétaire de l'église. Yeshua les appelle. Et il a dit que il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, quiconque en lui ne périsse pas. Mais qui est la vie. Et l'appel est lancé à qui? À tout le monde. Les cinq continents. Hommes, femmes. Riches, pauvres. Noirs, blancs, jaunes, malades, non pas malades, handicapés ou pas. Tout le monde. Ouais, non? L'appel est lancé à tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de. Mais l'appel est lancé à tout le monde. Et ces personnes sont appelées de sortir. L'église est composée des personnes qui ont répondu à l'appel et qui sont sorties. De quelque part. Ouais, non? Et déjà, pour pouvoir répondre à l'appel, il faut avoir des oreilles. Faut écouter, non? Oui. Tu peux aussi écouter, mais tu ne comprends pas. Voilà. C'est dans quel livre? Genèse. Genèse. Moi, je n'ai pas de problème si c'est dans Genèse ou non. Parce que moi, je ne connais pas tout la Bible. Hein. Chemin Israël, c'est dans quel livre? Ah, Deutéronome. Combien? 6. Ok, on va lire. Ah, Deutéronome 6:4. Ok, parce qu'on parlait de appel. Et pour pouvoir répondre à l'appel, il faut. Ça, on va prendre. Deutéronome 6, verset 4. Fünfte Mose, Kapitel 6, Vers 4.
Tu peux me lire la même chose sur d'autres magasins. Toi, tu lis, c'est bien. Tu fais la lecture. Mais pour que je trouve quelqu'un pour se lire d'abord, pense à mon mari. Celui qui a trouvé en français peut lire. Pour ça, on attend un autre sœur, mais il va lire en belge. Écoute Israël, Yahweh, notre Elohim. Tu peux me lire plus fort avant de lancer, s'il te plaît. Écoute Israël. Écoute Israël. Ok? Là, c'est Yahweh qui parle à son peuple qu'il a choisi. Israël. Il dit, écoute Israël. Yahweh, notre Elohim. Yahweh est un. Il n'est pas trois, mais il est. Il n'est pas aussi trois en un, mais il est. Le un, ça veut dire indivisible. Vous voyez un peu? Le fait que Patrice, comme il est mon frère, il est fils de sa maman, il est fils de son père, les grands frères de ses petites soeurs, les petits, les petits, tu vois un peu? Mais il n'est pas 10. Tu es toujours un, non? C'est ça, non? Et c'est comme ça que Yeshua, il est l'eau de vie. Hein? Les lions ont tombé de Judas, le feu dévorant, l'agneau immolé. Hein? Beaucoup, il est infini. Mais il est toujours un. Écoute Israël. Maintenant, quand on met ça en hébreu, c'est Shema. Et le Shema veut dire écouter et comprendre. Parce que je peux venir, je dis Previet. Tu as compris, non? Tu as écouté, non? Rigole. Previet. On a répondu, non? Previet. Vous voyez, non? Mais elle peut répéter. Mais est-ce qu'elle a compris ce que j'ai dit? Vous voyez, non? Mais le mélange, je crois, écouter et comprendre. Or, que j'ai dit, Guten Tag auf Russisch. Vous voyez, non? Un russe, si elle répond facilement, elle a dit, facilement, même toute la phrase, c'est moi qui allais être bloqué. Et maintenant, le choix veut dire écouter et comprendre. Alors, il dit, les personnes sont des personnes qui ont écouté et qui ont compris. Pas après, ils ont obéi. Vous voyez un peu? Ils ont obéi, ils ont répondu à l'appel qui a été lancé. Sortez, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est ça? Non, hors de quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Hors de quoi maintenant? Faites une idée. Une idée. Hors de quoi? Ok, le frère dit hors de péché. Maintenant, le péché, c'est quoi? Parce que moi, je connais une personne qui fraudait, par exemple, pour aller à l'assemblée. Le dimanche. Il dit que je fais un sacrifice. J'ai pas d'argent, mais je vais aller prier. Ouais, non? C'est un péché ou pas? C'est un péché. C'est quand même un péché. Oui. Si, c'est un péché. Vous voyez un peu? Pourquoi je fais? Je fais ça exprès. Demain, parce que vous allez prêcher, non? Et si tu dis moi péché? Il y a des personnes qui sont là qui font ça, mais quand tu dis péché, lui, pour lui, ce n'est pas un péché. Parfois, souvent, il faut creuser, citer les choses par son nom. Et la personne va découvrir que, il vient d'adresse, je vous ça, c'est merci mon frère, moi, je ne savais pas. Ouais, non? Donc, quand il dit c'est moi péché, l'autre va dire que moi, je fume, hein, je fais du mal à personne, je fais ça pour moi. Vous, c'est un touche libre. Ouais, non? Hors du péché, ok. Maintenant, ça c'est un gros mot. Quel, par exemple, quel péché? Du mensonge. Du mensonge. La convoitise. Vous pouvez écrire ça. Avec l'église est composée des personnes qui ont appelé, ils ont écouté, ils ont compris, ils ont répondu, et ils commencent à sortir la vie des péchés, comme par exemple le mensonge. Idolâtrie. Pardon? Idolâtrie. Idolâtrie. Idolâtrie, c'est quoi? Moi, je ne connaissais pas l'idolâtrie. Idolâtrie, c'est quoi? C'est un mot terrible. L'idolâtrie, par exemple. Par exemple, tu veux quelque chose, sur le plan spirituel, par exemple, tu dis bon, je veux avoir du travail, par exemple. Et tu demandes à Dieu, tu pries, tu gèles, et Dieu, il t'exauce, il donne le travail. Et après, le travail, maintenant, tu es bien payé, tu achètes une carrosse, tu roules. Maintenant, le dimanche, au lieu de venir à l'église, où tu venais ouvrir l'assemblée, où tu venais pour prier avec tes frères, tu ne viens plus. Si on te demande, tu dis que tu n'as plus le temps parce que le travail te prend plus de temps. Donc, c'est ton travail maintenant qui est devenu quelque chose que tu aimes, que tu adores. Quel donc, ça, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Non, c'est vraiment l'idolâtrie.
pas une forme, mais l'idolâtrie veut dire si tu aimes quelque chose plus que Elohim. Et ça peut être la voiture, ça peut être ton enfant, ça peut être ta beauté. Hein? Je peux faire passer 4 heures devant les miroirs. Je vous dis. Je regarde ici, je regarde ici. C'est l'idolâtrie. Beaucoup vont devenir idolâtres d'eux-mêmes, la parole dit. Voilà. Tout ce que tu aimes à la place d'Elohim, plus que l'Elohim, c'est l'idolâtrie. Tu peux aimer ton portable plus que l'Elohim. Tu peux aimer ton argent plus que l'Elohim. Aimer ton travail. Aimer ta voiture plus que l'Elohim. Il y a des personnes quand ils écoutent ce matin, mais c'est pas dehors, ils regardent direct en fait ça. Ouais, il ne dort pas quand lui sa voiture, c'est moi. Il a peur. Ouais. Il y a d'autres qui aiment leur maison plus que l'Elohim. Et c'est ça. Tout ce qu'on aime plus que lui, c'est l'idolâtrie. Et le Seigneur nous appelle de sortir de l'idolâtrie. Sortir du mensonge. Maintenant, comment tu vas faire, par exemple, si on te met la pression, tu fais comment? Dire la vérité. Ouais, parce que sous pression, tu fais comment? Tu quand tu es sous pression, tu vas me démentir, tu fais comment? Non plus. Non, je dis seulement la vérité. C'est ça, parce qu'il est la vérité. Vous voyez un peu? On va voir ça vite fait dans Apocalypse 22. À partir du verset 11, on a parlé ça tout à l'heure. Apocalypse 22, verset 11. Also, Offenbarung 22. Déjà, pour quelqu'un qui s'est dit quoi? Tu as parlé tout à l'heure de... Attends, pour quelqu'un qui s'est dit à partir du verset 11, tu disais que c'est qu'on vit en actuel, c'est l'apocalypse. C'est ça que tu disais? Oui, l'apocalypse. Ok, l'apocalypse veut dire quoi? Révélation. Révélation. Mais rien à ce que la télévision nous présente. Apocalypse. La fin du monde. Tu vois que tout se casse. Tu vois un peu? Les maisons se cassent, donc ça n'a rien à voir avec ça. L'apocalypse veut simplement dire révélation. Voilà. Ouais, la révélation, on révèle quelque chose qui était caché. Et vous allez voir dans Apocalypse. Et il y a des animaux. Ça va venir, mais je te dis comment il y a la corona qui va venir. RT va faire ça. Apocalypse, on montre toutes les catastrophes. Or que ça n'a rien à voir avec ça. Quand vous prenez Apocalypse en anglais, ça veut dire quoi? Revelation. Of Deutsch, Offenbarung. On n'a pas dit Zerstörung, on n'a pas dit Räuber. Ou la Ende der Welt. Mais Offenbarung. Une information. Il faut une information. Apocalypse 22, verset 11. Quoi dire? Apocalypse 22. Yeah. Parce qu'on parlait du mensonge. Oui. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Apocalypse, ça, c'est le dernier livre de la Bible. Vous voyez un peu? Dans la Bible, il y a combien de livres? La Bible. 66. Vous avez dit combien? Non, Zisha. Zisha. Ok, c'est bon, je suis d'accord. L'Exodus Bucha. Et l'Apocalypse, c'est le dernier. Il a parlé déjà au Genèse, Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, nom, on ne va être fort. Maintenant, là, il a changé de ton. Il a dit, quel problème? J'ai parlé maintenant, ici, là. Celui qui est encore injuste, qui est injuste. Ouais, un peu. Celui qui est saint, se sanctifie encore. C'est ça, non? Après, il continue. Il dit que celui qui a joué injustement, injuste encore injustement. Que celui qui est suyé, se suit encore. Et que celui qui est juste, pratique encore la justice. Et que celui qui est saint, se sanctifie encore. Ok, on continue. Voici, je viens à toute vitesse. Et ma rétribution est avec moi. Et quand il vient, c'est bon pour ce but aussi, hein? Où? Chercher ça? Son église. C'est ça, non? Oui. Ok. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son nom. Continue. Mais... je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Bénis sont ceux qui observent ces commandements. Bénis sont ceux qui ont des millions sur les comptes. C'est ça qu'on a écrit, non? Bénis sont ceux qui ont eu des triples cette année. Non. Des jumeaux. Hein? Ceux qui ont acheté Mercedes. Non. Ceux qui ont mis, c'est quoi, Amani, c'est quoi, ceux qui sont bénis. Hein? Non. Versace. Bénis sont ceux qui observent ces commandements, qui obéissent à qui gardent ces commandements. C'est ça la vraie bénédiction. Quand tu as Yoshua dans ton cœur. Ouais, un peu. Amen. On a vu beaucoup des millionnaires se tuer. On a vu beaucoup des stars se suicider. Oh, tu mets toi, tu l'as envie, tu dis, oh, mais lui, il est bien, c'est moi qui ai sa place. Mais lui, maintenant, qui est à la place là que toi, tu voulais être, il n'est pas à l'aise. Ça veut dire que ce n'est pas la bénédiction. Ils ne sont pas bien. Déjà, tu ne sais même pas comment il l'a fait pour arriver là où il est. Combien de personnes ont voulu avoir, je ne sais pas quoi, des voies pour être ingénieur, ils sont devenus en fait ingénieur. Abadan, tu vois, moi qui dis non, c'est pas ça, vas-y, mais fais toi des choses comme ça. Ah ben, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas rempli. Ouais, un peu. Je voulais me marier, ah, mariage est venu. Après, tu vois, oh, mais c'est pas un sommet, c'est pas la finale, tu vois, un peu. Espèce d'envoi. Après, toi, tu crois que ce sont les enfants. Bon, enfants. Bah, on te donne trois même. Ah. Après, tu dis, mais c'est comme ça les enfants. Mais c'est chiant, arrête. C'est chaud. Ouais, non? Oui. La vraie bénédiction, ce n'est pas des choses matérielles. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Parce que sinon, nous, là, on n'était pas bénis. Mais moi, je suis plus riche que Bill Gates, comme vous voyez là. Plus riche que les grands, grands là, soi-disant. Mais les vrais grands grands sont ceux qui ont du pâché dans leur vie. Amen. La vraie richesse. Amen. Ouais, non? Bénissons ceux qui gardent. Ok, continue. Ils auront l'autorité sur l'arbre de vie et ils entreront par les portes dans la cité. Mais ils seront laissés dehors les chiens. Les chiens, pourquoi les chiens? C'est les chiens là qu'on voit ici, les deux chiens. Les best friends for men. On parle de ces chiens là. Non. Donc, moi, ma sœur dit non. Elle a raison, mais varum. Les chiens sont qui? C'est ceux qui retournent à ceux qui sont venus. Ok. Vous êtes d'accord? Il faut prouver maintenant. C'est écrit où? 1 Pierre 5, 17, je crois. Quand même, moi, je te prouve. On va vérifier. 1 Pierre, il a dit? On a dit que les chiens, d'ailleurs les chiens, ouais, c'est important de savoir ça, non? Frère Baptiste, c'est ça, non? Vas-y, en fait, demain, toi, tu pries, explique-moi un peu dehors les chiens, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai mon chien ici, j'ai même quatre. Moi, si moi, j'ai rembourser, et mes chiens vont pas rentrer, c'est de ça qu'on parle. Maintenant, il faut expliquer à la personne, ouais, un peu, les chiens, elle veut dire quoi? Ça dit quoi? 1 Pierre combien? C'est une question. Ok, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre, c'est quand ça m'aide? 2 Pierre. Chapitre 2, verset 22. 2 Pierre. 2 Pierre 2. Es ist ihnen aber nach dem warmen Sprichwort ergangen. Der Hund kehrt wieder zum seinem eigenen Geschrei. Und die gewachsene Dorf zum seltsamen Kot. Ok, en français. Parce que l'allemand, ça c'était un vrai, vrai allemand. Là, mais c'est conduit par un proverbe véritable. Verset 22. Attendez un peu, t'as trouvé? Le dernier verset. Ok. Tu peux lire? Moi, je peux. Mais c'est conduit par un proverbe véritable. L'air est arrivé. Les chiens sont retournés. À son propre vomissement. C'est qu'il a vomi. C'est une personne aussi qui a vomi les choses que le Seigneur a voulu qu'il vomisse. Ouais, un peu. Il est sorti. Mais ce chien, cette personne qu'on appelle le chien, c'est une personne qui est retournée à ses vomissements. On a dit, les personnes qui vont retourner aux choses qu'ils ont renoncées. Non. Dehors. Ouais, un peu. Eux, les chiens. On a dit, même on a continué, on parle même de Schwein. 22. Les sorciers. Non, attends, tu es né. Moi, j'ai pas. 2 Pierre 2, 22, c'est pas terminé. 2 Pierre 2, 22. Regarde. Fais pas attention à quoi là, dans les 2 Pierre 2.
Tu peux continuer? Lui, son propre vomissement et la truite lavée et retournée s'est vautrée dans la boue. C'est ça, le cheval, il aime tellement la saleté, il aime tellement la boue que tu peux le laver. Il va faire quoi? Il va retourner dans la boue. Tu vois un peu? Et ces gens, personnes qui ont ce genre de caractère, ne retirent pas le royaume. Ils ont renoncé à l'appel. Tu vois un peu? Ça fait automatiquement, ils ne sont pas membres de son église. Église de Yoshua. Amen. Amen. On continue dans. Parce qu'on parlait de mensonges. On continue dans Apocalypse. On retourne là-bas. Apocalypse 22, verset combien 15 maintenant. Merci, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Mais seulement j'étais dehors, mes chers. Attends d'abord que tout le monde trouve. Verset 15, hein. Oui. Oui, la méchante. Oui, il y en a. J'ai choisi une toile, une toile pleine. Là, tu veux que tu lâches en lésine. Vous avez trouvé Apocalypse 22? À partir de verset 15, on continue? Il y en a. Mais seront laissés dehors les chiens. Les chiens, ok, dehors. Ok, qui encore? Les sorciers. Les sorciers, qui encore? Les fornicateurs. Attends d'abord, les sorciers. Un sorcier, c'est quoi? Sortir de son âme, ok, parle fort. Sortir de son corps, bien son âme. Les gens qui sortent, la barre de voûter, les gens, je suis d'accord avec toi. Oui. Ça commence par quoi? La sorcière commence par quoi? Quelqu'un qui pense mal de vous. Tu m'as expliqué. Ouais, un peu. On va prendre 1 Samuel 22, 15, 22, je crois. 15, 22. Là, on veut parler de la sorcellerie. Ok? Auch eine Art von sorcellerie. Aux yeux de Yahweh. 1 Samuel 15, verset 22. Moi, je me réveille la chemise. T'as trouvé? Ok. 15. Kapitel 15, verset 22. 22. Ja? 15, 22. Vous avez trouvé? Warte, Simon. Lise. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr das Gottfreude wohlgefallen an Schlachtopfer und Brandopfer, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehört. Sie gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volkskrank, besser als Fett. Amen. Amen. En français? Verset 22. Peut-être que je peux lire? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On continue? Car la désobéissance est aussi coupable de la divination. Tu vois la divination? La sorcellerie, non? Si je dois l'arrêter un moment. Car? Car la rébellion est un péché autant que la divination. Vous voyez un peu? Une personne qui a écouté, qui a compris, mais qui se révèle, qui s'oppose, il est égal au sorcier. Un peu, nous on a peur, les sorciers, non, fais attention, mais alors que c'est la personne qui est désobéissante, et comme lui. Voilà les vrais sorciers. Ouais, non?
On a dit dehors, pourquoi j'ai parlé ça? On a dit dehors les chiens, ainsi les, et les oiseaux et les sorciers. Mm-hmm. On retourne encore d'Apocalypse 22. Voilà, parce qu'on parlait du mensonge, je n'ai pas encore arrivé là-bas. Toujours verset 15, c'est ça? Oui. Toujours verset 15. Oui. Apocalypse, verset 15. Mm-hmm. Les fornicateurs. Les fornicateurs, la fornication, c'est quoi? La fornication. Auf Deutsch, comme dit, geschrieben. Und? Bitte? Mundsucht. Ok? C'est quoi la fornication? Même une soute, là, pour moi, qui parle allemand chaque jour. Si on me dit une soute. Ouais, un peu. Tu peux pas te marier et sortir aussi. Gouraraï. Ce mot, là, quand tu vas dans le grec, ça donne pornéa. Et pour ceux qui ont compris, ça, ça dit déjà tout. Mm-hmm. Ouais, non? Mm-hmm. C'est là où sort le mot porno. Gouraraï. Comment dire ça? Les relations sexuelles illicites, ça compte comme ça, non? Ça peut être hors de mariage, femme, oui. Avec les animaux, et ainsi de suite. La masturbation. Voilà un peu. Et ces gens-là qui font ça, est-ce qu'ils font membre de cette église? Non. Voilà, il a dit dehors. Hein? Ouais, non? Oh non, un coup, c'est ce chien. Quel un coup, c'est ce chien? Qui t'a dit ça? Quand on dit que non, on veut voir les signes que les gens sont mariés, on demande quoi? On demande à des gens de se coucher ensemble, on demande de les faire bisous. Bisous, non? Mm-hmm. C'est là que ça commence, non? Mm-hmm. Aufpassen. On ne blague pas avec l'éternité. Voilà. Non? Mm-hmm. Tu veux gâcher ta l'éternité à cause des sentiments de la chair. Oh, ça va passer. Un plaisir de quelques secondes va te faire rater l'éternité avec le Seigneur. Peut te faire rater l'éternité avec le Seigneur. Vous voyez un peu? On a dit qu'on va aller au ciel, on a levé les mains. Il y a un prix à payer. Il faut payer le prix. On a dit que la crainte de Yahweh, c'est la haine du à ses yeux. Tout ce qui est mal à ses yeux. Il faut haïr. Si tu n'avais pas cette haine par rapport à ces choses, il faut demander que je vais dégoûter de la fornication. Crée-moi ce dégoût. Je vais haïr ça. Vois un peu. Mm-hmm. On continue la fornication. Les meurtriers. Les meurtriers. Un meurtrier, c'est un meurtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tue une autre personne. Tu dis? C'est quand on tue. Bien, je suis d'accord avec toi, c'est quand on tue une personne. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. On parle du meurtre, on va prendre maintenant 1 Jean 3, verset 15. 1 Jean. Merde. Le livre de 1 Jean, c'est à la fin. Est-ce que Johannes? Am Ende. Est-ce Johannes 3, verset 15. Yeah. Est-ce Johannes? Am Ende, ça c'est. On va laisser le temps de trouver parce qu'on veut que les gens lisent. Ah non, laisse le temps d'abord les gens trouver, de trouver. C'est pas qu'on a trouvé. Yeah. 1 Jean 3, 15. Est-ce que Johannes, chapitre 3, verset 15? Je suis marqué, chapitre 3, verset 15. Yes, please. Just listen. Okay. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig leben. Ah, okay. Er lebt in der Evangelie. Ist kein Problem. Wer hat auf Deutsch gefunden? Jeder, der seinen Bruder. Okay. Jeder, der was? Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Jeder, der was? Seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Ist ein? Woher bin ich? Was ist, selon nous, un meurtrier, c'est qui? Quelqu'un qui tue. Là, c'est selon Yahweh. Celui qui fait quoi?
Il est un meurtrier. Ok, les meurtriers ne seront... vont pas rentrer dans l'air? Dans le royaume. Ok, un meurtrier ne fait pas part de ses nez. La haine. Vous voyez un peu? Aïcha, c'est des. Ah, ben je les ai vraiment. J'ai envie de voir. Ah, qu'ils disparaissent, qu'ils meurent même. On dit non? Tu as déjà tué dans, ici. Parce que si vous continuez, on a dit quoi? Parce que qui avait fait ça? Dans les 1 Jean là. Caïn. Continuez. Verset 15, après. 1 Jean 3, 15. Vous continuez à lire? Nous savons qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Nous avons connu l'amour en 5. Hein? J'ai connu? Yeah. À ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons. Le verset 16. Oui, si quelqu'un voit. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui ne l'a pas. Non, ça, c'est le 16. Nous avons connu l'amour. C'est ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est Héo Chaudière qui est dans le monde. Ok. Attendez, je vais chercher un peu. On a parlé de ce qui. 1 Jean 3, verset 15. Il disait que, comme Caïn, il a fait la même chose. Il a haï son frère. Et il l'a déjà tué où? Dans son cœur. Et après, il a pratiqué ça. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça qu'on a fait attention. Le verset 12. Verset 12, hein? Ça dit que? Toujours dans 1 Jean 3. Yeah. Tu peux lire? Tu l'as lire. Là, tu peux, on l'a trouvé. Toujours dans 1 Jean 3, verset 12. Oui. Je vais commencer plutôt par le verset 11. Ok. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que sa peur était mauvaise et que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous détournez pas, frère, si le monde vous aime. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est Caïn qui avait haï son frère et l'a tué. Un peu. Mais le meurtre commence déjà quand tu haïs ton frère. On a dit que le péché est couché à ta porte. Mais toi tu as signé. Domine. Parce qu'on a créé l'homme à l'image de Yahweh, ça non? On a dit domine sous les. Domine. Là, la domination. Vous voulez dire non au péché. Vous voyez un peu? Le péché a toqué. Lui a dit Vesda. Oh, c'est moi le meurtre. Tu veux qu'est-ce que tu cherches? Non. Je veux que je rentre dans ton cœur pour que tu tues ton frère. Ah bon? Il a ouvert la porte. Vous voyez un peu? Oh, vous pouvez dire que non, je ne vais pas te faire rentrer. Au nom de Yahushua, Raus. Ouais, non? On a dit dehors le meurtrier. Apocalypse 22, on n'a pas terminé, on est toujours dans l'Apocalypse 22. On explique seulement les mots. Apocalypse 22. Ah, Offenbarung 22. Toi. Là, on a dit les meurtriers. Les idolâtres. On a parlé des idolâtres. Les idolâtres, c'est quand tu aimes quelque chose plus que Yahweh. Amen. On continue. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Il va rester, hein. Il va rentrer dans le royaume, c'est ça? Non. Il va être dehors. Ça veut dire qu'il n'est pas membre. Il ne fait pas part de ses nez. Vois un peu les choses qu'on a sorties. La liste est grande. La liste est grande. Un peu. S'ils devaient tout mettre, la Bible est tellement lourde que vous ne pouvez pas la porter. Ils ont mis le nécessaire, mais on a la conscience en nous. On sait ce qu'on fait, si c'est bien ou pas. Ouais, non? Et c'est ça. C'est ça qu'on a sorti. Et c'est cette église que Yeshua a venu chercher. C'est cette église qui bâtit, cette église qui, comment on dit, on a vu ça, édifier, bâtir, construire, réparer. C'est cette église-là qu'on va venir chercher. Ouais.
La personne peut être en Mexique. Toi, tu es ici en Allemagne. Mais vous êtes membre de cette église. Vous n'avez jamais vu. Pourquoi? Parce que vous avez répondu à l'appel et vous sortez du péché. Là, on a fait citer quelques péchés. Parce que quand on dit péché, c'est... Bon, passez ce péché. Vous voyez un peu? On a essayé un peu de creuser. Il y a beaucoup. La jalousie. La haine. L'envie. Avec ce monde-là. La publicité. Va te faire acheter les choses que tu ne veux même pas acheter. Tu vois quelqu'un comme ça, avec comme la soeur a mis un truc rouge, et moi je souffle. Ah, moi je dois aussi acheter les trucs rouges là. D'ailleurs, ça ne va pas. Moi, si c'est moi, ça va m'aller plus qu'elle. Tu vois un peu? Ah, ich muss, les Allemands disent, muss sterben, das musst du. Verstehst du? Ja, die Deutschen sagen das, c'est ça, non? Ja, das musst du. Du musst sterben. Und danach, wie sieht's aus? As-tu répondu à l'appel pendant que tu vivais? Quand quelqu'un est mort, même si tu l'appelles, il ne va plus répondre. Hein? Ça sert à rien de parler aux morts quand on va à ce métier-là. Oh, on va dire notre dernier mot. Dès son temps, vous l'avez dit, merde, ça fonctionne plus. Il est parti. Vois un peu? Le Seigneur nous appelle à sortir du péché, oui, les traditions des hommes. Comme quoi? Un doute. On a beaucoup de cultures, beaucoup de nations. C'est une richesse que le Seigneur nous a donnée. Les langues. Voilà. Mais il y a trop de traditions. Il a dit qu'il y aura un seul Père, une seule Église, une seule foi, un seul baptême, une seule espérance. Voilà un peu? Il a dit qu'il veut que les gens sortent de cette tradition-là, qu'on devienne un seul langage. Tu as un peu? Là, si toi tu viens avec ta tradition, moi je viens avec ma tradition, est-ce qu'on va avoir un même langage? Non! Elle doit être obligée de se débarrasser des traditions pour accepter le langage de Yahweh. Coutume, et voilà dit, la dot, par exemple. Quoi encore? Rester les blacks entre les blacks, les blancs entre les blancs. Le racisme. Ouais, un peu? Carnaval. Quoi encore? Halloween. Est-ce qu'on sait même d'où ça sort ça? Mais qui fait les... Faut faire les recherches, non? Ouais, un peu? Comment on appelle ça? Noël. Hein? On dit quoi, non? Noël. Papa Noël. C'est ça, non? Bon, maintenant, quand on dit le mot qui a été traduit par Dieu, le mot hébreu c'est quoi? Elle. Tu veux dire quoi? Elohim. Vois un peu? El Elyon. El Shaddai. Emmanuel. Ainsi de suite. Vois un peu? Emmanuel veut dire quoi? Dieu. Ça veut dire que elle c'est? C'est ça qu'on a traduit par Dieu. Vois un peu? Ok, parle anglais ici un peu. Nous tous. Si on fait comme ça, ça veut dire quoi? Non. Ok. Ouais, un peu. Il dit non, elle me dit oui à sa table. Ouais, un peu. Parce qu'ils disent que c'est la naissance de qui? De Joshua. Est-ce que lui, quand il dit, les gens, est-ce qu'ils retenaient même la date de naissance? Je crois même pas. Ouais, un peu. De 1. De 2. Ils disent que c'était en décembre. Les Hébreux n'avaient pas le même calendrier comme nous. Le calendrier romain, ils avaient le calendrier hébraïque. Nous, on commence par janvier, et le premier mois, c'était avril. Vous voyez un peu? Déjà, ça. Et la Bible dit qu'au sixième mois, l'ange est venu. L'ange Gabriel est venu. Mais si tu comptes à partir d'avril, six mois, ça fait quoi? Octobre. Octobre. Bon, maintenant, si tu à partir d'octobre, tu fais neuf mois. Juillet, vous voyez un peu? Ça ne tient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi juillet parce que si tu regardes comment il marchait pendant la nuit. Non, c'est pas si c'est juillet, c'est ungefähr. Parce que à la veille là, les anges sont venus vers les bergers. Et les bergers dormaient où? Voilà. Est-ce qu'il va mourir si c'était en décembre? C'est ça, non? Est-ce que les bergers dorment en décembre, ils vont dormir dehors? Non.
dehors. Ouais, un peu. Il faisait pas froid. Et c'est comme ça qu'on facilite beaucoup les choses. Pas l'hiver. Ouais. La connaissance, la parole, c'est bien, non? Elle fait pas tout, c'est ça, non? C'est bien. On va pas venir te dire, oh non, 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 non. Là, vous faites votre André, parce que Dieu, je n'aurais pas né là. Or que si vous vérifiez, c'est la naissance du Dieu Soleil, Mitra. À date même, là. C'est quelle date qui est suivie? C'est le 25, je crois. Voilà. Parce que il se disait qu'il veut chasser le train, parce que c'est la langue, donc. Tu vois, on dit bon, il veut chasser, d'abord il dit 10 ans le compte. Ce sont des rituels, non? Et ils ont, c'est la naissance du Dieu Soleil. Et c'est ça que les gens savent faire avec le sacre, et c'est de suite. Tu vois, ben? Voilà. Et nous, sans se rendre compte, sans vérifier, on rentre dans ça. Pas que ce soit pas plaisir, ah c'est bien, tu vois, quand même c'est bien, nos enfants se réjouissent, ouais, mais les cadeaux. Moi j'aime mon enfant, est-ce que je suis obligé d'attendre jusqu'à décembre pour lui donner les cadeaux? Non. Est-ce que moi je suis obligé d'attendre jusqu'à 14 à février pour donner à ma famille une rose? Non. Hein? C'est volonté. Voilà, voilà. C'est volonté, qui le connaît même? C'est volonté. Ouais, un peu. Amen. Le Seigneur veut qu'on sort. Ouais, un peu. On est tellement lourd. Là, les vous qui est chargé. Venez décharger vous un peu ces bêtises là. Ouais, un peu. Et ça crée des problèmes. Hein? Ce jour-là, tu oublies de donner la rose, mais c'est fini. Je te dis, les femmes font souffrir les hommes. Parce que c'est tellement rentré dedans. Ouais, un peu. C'est chaud. C'est la même de divorce. C'est chaud, je te dis. C'est chaud. Même la dernière fois, on parlait avec ma maman que. On ne sait même pas si ça sort d'où. Maintenant, en Afrique, tout le monde commence à fêter ça. Ok. Frère, si toi, tu es là. Ça, je fêtais ça là-bas. Non, mais. Même au Canada. Non, à l'époque, qu'est-ce qu'on fêtait ça même là-bas? Non, non, même pas. Ouais, un peu. Ils sont branchés, hein, quand même. Ils sont branchés. Ouais, un peu. Ils ont un peu qu'on se débranche pour se brancher à la vie éternelle. Ouais, un peu. Voilà. Amen. Amen. Qu'on sort de tout ça. Les cultures, traditions, oh non, chez nous, le Seigneur veut qu'on soit souple. On s'est dépouillé sous toutes choses pour nous empêcher de vivre sa gloire. Ça nous empêche. Les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, les chinois avec les chinois, le Seigneur veut qu'on sort. Et ça va même plus pire. T'as fait congolais avec congolais. Et même quand tu rentres encore, t'as fait louba avec louba. Ouais, un peu. Et c'est quoi ça? Où est l'amour? Il a dit qu'il n'y a ni juif, ni homme, ni femme. C'est le contraire. Donc la désobéissance est égale à la divinité. Voilà, vous voyez un peu? Il appelle les gens à sortir de plusieurs choses. Et ça, c'est cette église qu'on va aller chercher. Qui va répondre à son appel. Vous voyez un peu? Et c'est pas facile. Hein? Maintenant, imagine-toi maintenant, non, chez vous, on fait comme ça. Toi, tu te lèves maintenant. Non, avec pas brutalement, hein? Mais tu oses dire, mais ça va créer la guerre. Non, mais toi tu sors d'où toi, tu es maudit toi. Chez nous, depuis des années, on fait comme ça, on va aller adorer les crânes. Les crânes là, qu'est-ce que ça va faire? Hein? Dis-moi un peu les crânes là. Tu crois pas que c'est déjà la sorcellerie? Toi tu veux mettre la crâne devant la femme, mais la femme a peur, non? Quel crâne? Mais il y a des chez nous, là-bas au Cameroun, on a des tribus là-bas qu'on peut adorer les crânes. Ah ouais, les crânes, c'est quoi? Chez des morts. Voilà. Les crânes des morts. Ah bon? On ne les jette pas, mais on les coffre quelque part. Et c'est là-bas qu'on va aller adorer les gens. Mais oui. Ça, non? Oui, les chambres des crânes. Les chambres des crânes. C'est normal, la tradition. Vois un peu? C'est dégueulasse. Mais je l'ai dit. C'est pas normal. Ouais, un peu. Il baisse le luxe, il baisse le sel. Ouais, un peu. Il y a plusieurs. Il y a d'autres tribus où on dit que. C'est quand même. Quand l'autre meurt, c'est l'oncle qui prend, c'est quoi là? Ouais, un peu. Il y a toujours des bêtises. C'est la sorcellerie. Mais ça, c'est carrément la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie.
Et le Seigneur veut qu'on sorte de ces choses-là. Il veut qu'on sorte pour devenir une race, cette race élue. C'est clair, non, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Voilà. Sortir des traditions, des coutumes, du monde. Ça, mes frères, tu veux qu'on comprenne la vie, on compare au monde. Non, c'est pas ça que j'ai demandé. On doit sortir du monde. Parce que le monde est la convoitise d'un chemin passé. Le Seigneur dit que celui qui aime le monde est ennemi. Se fait ennemi. Ouais, un peu. Mais quand il parle, il dit quoi? Il dit que donc on doit se suicider, comme les Hakaïda font, on quitte le monde. C'est ça? Non. Ouais, un peu. Mais le monde a son langage. Le monde a sa musique. Ah, coupé, décalé, hein? Jarafat. Ouais, un peu. Mais non, on n'est pas tombé du ciel, on était ici aussi. Ouais, un peu. Amen. On a aussi dû sortir. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ouais, non? Et quoi encore? Le monde a sa façon. Sa façon de vivre, sa façon de s'habiller. Ouais, non? La sapologie. La sapologie. Les pantalons sur les fesses. Ouais, un peu. On dirait quelqu'un qui n'a pas bien essuyé. Ouais, un peu. Il peut mieux essuyer maintenant, il doit faire un peu dérange. On appelle ça la mode. Ouais, un peu. Laisser en l'air. Ouais, un peu. Et tout ça. Le Seigneur veut qu'on sort. Il a dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tu vois que tout le monde veut devenir métisse. Ah, tout le monde veut devenir métis. Les blancs parlent se mettre dans les toasts, là. Comment on appelle ça? Zolario. Ils se toastent comme ça, on dit bien. Noir. C'est même pas c'est quelle couleur, mais bizarre. Maintenant, nous aussi, on va voilà, nous aussi, on va chercher les produits pour gâter la peau. Ouais, un peu. Ouais, un peu. Tout le monde veut devenir métis. Mais ok, la parole dit que. Ne savez pas que votre corps est le temple et que vous appartenez plus à vous. À vous-même. Maintenant, imagine quoi, hein? Tu peux louer une voiture location Europcar. La voiture t'appartient? Non. La voiture, tu l'as pris rouge. Tu roules 3 jours. Après, tu la remets bleu. Ils vont d'accord? Non. Mais c'est ça que nous on fait, non? Toi, tu es noir, bien brun là. Mais tu dis non, Seigneur, tu as fait l'erreur. Moi, je vais venir comme tel. Hein? Lâcher produit pour gâter ta peau. Après, tu te plains quand tu auras des cancers. Ah, Seigneur, aide-moi, mais c'est toi-même qui as détruit l'enfant. On va sortir le Seigneur des choses. Ouais, non? Et ça va t'écouter. Hein? Les mauvaises comparaisons ni comme les bonnes. Merci. Tu vas être obligé de te séparer de tes amis. Dans le bon. Je vais dire, mes gars, moi, en tout cas, moi, j'ai choisi un choix. Faites votre vie, moi, si je fais ma vie. On n'est pas des ennemis, mais aller boire, chercher l'ego, là, c'est fini pour moi. C'est ça, non? Si on s'appelle, c'est bonjour, bonsoir, mais les thèmes, là, qu'on parlait, là, c'est fini. À toi aussi, tu deviens bouffon, toi, tu deviens moi. Ne te mets pas comme ça. Gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ouais, un peu. Est-ce que tu vas résister? Et c'est là où le Seigneur veut qu'on témoigne son amour, notre amour envers lui. Tu vas chercher non, une personne qui va être pour toi, même dans l'assemblée, hein, c'est ça qu'on, l'erreur qu'on fait. Non, Seigneur, il fallait dire c'est trop fort, maintenant comment je vais faire? La crème, c'est pas un péché, c'est écrit où? Et blanchir, faire blanchir sa peau, c'est un péché, c'est écrit où? D'autres vont dire, mais c'est écrit où que fumer les champs, c'est un péché? Dis-moi, donne-moi un verset. Même les médicaments. C'est des médicaments. Yeah, mais je dis, hein, fumer, joint, c'est écrit où? Je sais pas. C'est écrit où? Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais, vous allez dire? Les gens cherchent des excuses pour accrocher. Et tout ça, là, parce qu'ils aiment le péché. Ils ne veulent pas abandonner. Ok, le Seigneur va chercher une église qui va répondre à la tête. Sortir, ça demande la séparation. Ouais? Ouais, maintenant l'église.
Maintenant, regardez l'église, non, là, au moment où j'étais, comme moi j'étais quand je partais à l'église. Est-ce que c'était ça? C'était pas ça, non? J'étais à fond dedans. Où tu jouais, là? Quand je vivais là. Quand je mourais. Parce que c'est pas compris. Quand je mourais là, ouais, ben. Est-ce que c'est ça? Non. Quand vous mourrez aussi dans le passé, c'était comme ça? Non. Ouais, non? Mais on était là. Chaque fois, on est assis, on dit qu'on part aller. Allez. Mais est-ce qu'on était membre de son église? Non. Mais il a dit, je vais chercher mon église. Sans tâche. Sans tâche. Ni rite. Ni rite. Ni semblable. Amen. Irréprochable, glorieuse et sainte. C'est l'église qu'il va aller chercher. Verbe, c'est fort. C'est fort. Et c'est l'église qui va tenir. Elle n'est pas bâtie sur le sable. Elle est bâtie sur le roc, le fondement, Yeshua lui-même. Celui qui est la source d'eau vive. Comme dans le psaume, il a dit que c'est l'arbre qui est planté auprès des courants d'eau. Et ses feuillages ne flétrit point. Et donne les fruits à ça, c'est saison. Vous allez voir, c'est quand il fait froid à tous les feuillets. Mais là, même si. Chaque saison, aux tempêtes, aux vents, il résiste. Tentation, il résiste. Pourquoi? Parce qu'il est bâti sur le roc. Ça veut dire qu'il y aura aussi... Des tempêtes. Voilà. Vois un peu? Toi, tu as dit au Seigneur, je te donne. Maintenant, on va tester si ça fonctionne, non? Ça, non? Tu n'as pas acheté une voiture pour regarder, tu vas tester si ça roule ou bien. Voilà, tu as demandé la foi pour qu'on teste la foi, non? Ça va marcher, ça va fonctionner, non? On va tester la foi maintenant. Voilà, tu as demandé l'amour. Maintenant, on va venir, on va te pétiller bien. Tu demandes maintenant l'amour que tu as demandé. C'est ça, non? Ah non, je t'obéis, il n'y a pas de problème. Tu vois, quand tu fais un dis-moi amen. Va, teste. Pour mensonge, l'erreur que beaucoup de parents font. C'est une chose banale. Les gens là, ils aiment beaucoup mentir. J'appelle par exemple une soeur. Allô, est-ce qu'il y a un tel qui est là? Vous comprenez déjà, non? Vous comprenez, non? Là, l'enfant lui dit. Pardon, pas dit que. Il y a un autre. Ouais, non? Et ça, c'est pas une information. Ouais, non? On a dit que dehors, ceux qui aiment et qui pratiquent le. Parce que quand tu fais, tu apprends à des enfants à faire quoi? À mentir. Pousse! Qu'est-ce que tu fais? Tu te fâches même. Hein? Dis-moi la personne que non, frère. Je connais, je suis occupé. Je ne suis pas disponible, est-ce qu'on peut parler après? La personne n'a pas dit un aïe. C'est ça, non? Des petites choses. On doit changer. On est obligé. Parce que là, si tu veux, on est obligé. Et moi, les premiers, on est obligé si on veut rester ici. Si on veut venir, qu'on vient nous chercher. Tu vois un peu? On est obligé. On est obligé. Ah non, tu vois. Le tête d'un musicien quand même il donne des conseils à sa maison, dans sa musique. Un album avec 20 chansons, une seule chanson il a des conseils, 19 chansons il fait dans cette femme. Tu me dis que lui il crée le Seigneur. Et même si ce n'était même pas le cas, voyez, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ça par. Maintenant, et c'est quel esprit qui les pousse pour faire ce qu'ils font? Parce que l'homme n'est pas vite. Ouais. Sorti de tout ça. Oh le look. Il y a d'autres qui sont comme ça. Le look est sorti, comment ça couper la comment on appelle ça? La crête. La crête. Hein? Comme un dragon. Comme la queue du dragon. Pourquoi dis-nous on appelle ça Rakongo? Rakongo? Comment ça arrive au Rakongo? C'est vrai un peu. Pourquoi? Parce que on a perdu notre personnalité. On n'a pas d'identité. On veut s'identifier à d'autres personnes. Tu vois un peu? Ok, le Seigneur nous a créé à son image. Et on a perdu l'image à cause du péché. Et maintenant, on commence à se chercher à être troublé.
comme des brebis errants et courent ici et là, courent ici et là. Tu sais si ça marche pas, tu sais si ça marche pas, tu sais si ça marche pas, pas satisfait, déception, voilà. Et voilà, c'est qui souffre, c'est toi. Parce que tu fais selon toi-même. Mais reviens à Yahweh, donne-lui ton cœur. Reviens vers le bon berger. L'Éternel est mon berger et j'ai. Si il y a un bon, il y a un faux. Mais on court vers le faux. On veut qu'il y ait doute. On veut les choses rapidement. Comme tout va vite. On veut que le Seigneur fasse selon nos commandes. Pour qu'on oublie que c'est lui qui est le Seigneur. C'est ça, non? Mon église. Vous avez déjà compris que l'église n'est pas bâtie sur pierre, elle est bâtie sur le roc qui est lui-même. Et l'église lui appartient. Ouais, non? Et le verset qui dit que non, le Seigneur n'habite pas dans les bâtiments faits par des mains. C'est écrit dans quel livre? Matthieu. Ok, c'est dans Acte. Lequel? On va chercher. Acte 7, 48. C'est ça? Mais les frères n'habitent pas dans le temple fait des mains d'hommes selon ces paroles des prophètes. Le verset quel? 48. 48. Quel arbre? On peut continuer? Lis encore, verset. Mais le créant n'habite pas dans le temple fait de ma jambe, selon ces paroles de prophète. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied et le marchepied de ma pierre. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel pourrait être le lieu de mon repos? Ma main n'était pas faite toutes ces choses. Tête dure et incorcie, inconstruite, incirconcis, le cœur des deux oreilles. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tel que vos pères. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance l'avènement du juste, dont vous êtes maintenant devenus des traîtres de meurtriers. Vous qui avez reçu la Torah par un ordonnement de l'ange et qui ne l'avez pas gardé. Amen. C'est clair. Quelle maison vas-tu bâtir? Il y a lui qui a créé tout ça là. L'univers, chaque fois on découvre quelque chose. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On ne connaît pas coltan, on a découvert coltan. Cobalt, on ne sait pas, on a découvert. C'est ça, non? On s'était là depuis. Celui qui a fait ça, il sait même que ça s'appelle comme ça. Ouais, non? Et maintenant, ce monsieur là, qui est tellement grand, c'est Elohim qui est tellement grand, tu bâtis une petite maison, tu veux l'enfermer là-dedans, tu viens dimanche, tu discutes 15 minutes, après tu dis, tu mets son tac, tu l'enfermes, lui reste là-bas. That's qu'un canichin. Ouais, non? That's qu'un canichin. C'est pas ma mère qui a fait tout ça. C'est ça, non? Mais il va habiter où? Dans nos cœurs. Mais il est saint. C'est toi qui veux qu'on se sépare, qu'on se sanctifie. Qu'on se sépare ce genre de choses. Qu'on se sépare du péché, qu'on se sépare du mensonge, qu'on se sépare de la haine, de la colère, de la sorcellerie. Qu'on se sépare de ça. Qu'on sort de là. Pour qu'il puisse habiter en nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que c'est votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua. Amen. Qui habite en vous. Que vous avez reçu de lui et que vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Yahweh avec votre corps et votre esprit. Ton corps aussi. Souvent dit que non, le Seigneur, il n'y a pas l'extérieur. Regarde seulement l'intérieur. C'est faux. Je n'ai pas un poisson pour mettre à marcher comme ça. J'ai quelque chose de spécial. J'ai consacré à lui. Je n'ai pas là pour coucher gauche à droite avec n'importe qui. Tu vois un peu? Et c'est ceux-là qui répondent à cet appel. Et ceux qui sont membres de son église. Bon, maintenant, on cherche le nom de cette église. Elle se trouve dans quelle ville, dans quel pays? Parce que là, c'est une seule église. C'est ça, non? Tu dis? Oui, lui-même. En tout cas, il ne nous a pas? Oui, un peu? Mais en tout cas, il a dit que tout le monde qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir
C'est ça, non? Mm-hmm. Elle dit, quand tu le reçois, tu es devenu automatiquement membre de l'église. Tu n'as pas besoin de cartes. Oh, c'est quoi là? C'est ça, non? Tu peux être seul dans ta maison, tu on la confesse et tu délaisses. Tu as quoi? Miséricorde. Et tu obéis à sa parole, tu cherches. Tu cherches à le connaître, tu cherches à le suivre, tu cherches à l'aimer. Amen. Tu le laisses travailler dans ton cœur, tu le laisses bâtir, te bâtir toi, te préparer pour son retour. C'est ça qu'il veut. Il a dit que vous êtes des pierres vivantes, c'est nous, il veut habiter en nous. Mais c'est à nous maintenant de répondre à cet appel-là. Voilà. Ouais, sortir des choses et devenir membre de son Église. Il a dit qu'elle est porte des enfers. Ne prendront pas contre son Église. Elle dit, à partir du jour où tu as dit oui à Yeshua, tu as déclenché quoi? La guerre. Vous connaissez Paulos, Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul persécutait l'Église, c'est ça, non? Et persécuter l'église et Yeshua. Et quand il partait vers Damas, il allait chercher la lettre pour aller attraper les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rentré avec la lumière. Il est tombé, la lumière l'a dit. La lumière lui a parlé. Et Paul a dit, Seigneur, qui es-tu? Et Yeshua a dit quoi? Je suis Yeshua, qui es-tu? Qui peut vaincre? Oui, un peu. Qui peut le détruire? Personne. Qui peut dire, oh, je vais faire KO, je prends le catch? Personne. Il a dit, quand tu es son membre de son église, quand la personne veut s'adresser contre toi, et quoi qui s'adresse contre toi, mais s'adresse contre qui? Quelle protection! Ni le sommeil, ni le dort. Il veille. C'est vrai que j'avais besoin d'avoir peur. Peur de quoi? Peur de qui? Ouais, non? Celui qui tient le monde entier dans sa main, c'est lui qui est ton papa. Celui qui veille sur toi. Quelle protection, quelle grâce. Vous voyez un peu? Et le rôle de cette église, c'est de quoi? De faire quoi? D'éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde et celle de là? Non. Amen. On est là pour représenter qui notre papa. Ouais, non? Nous sommes des ambassadeurs. L'ambassadeur fait quoi? Représente dans un pays étranger. Ça, non? Ouais. Quand nous, on veut fusiller, par exemple, la police te suit, tu es camerounais, tu rentres dans la danse, tu ouvres la porte, tu rentres dans la danse, tu es au Cameroun. Les Allemands vont attendre dehors, ils ne vont pas rentrer pour t'attraper. C'est ça, non? Et maintenant, toi qui es fils du roi de roi, qui va venir t'attraper? Ils nous feront la guerre, mais nous vaincrons. C'est ça, non? Et t'as même besoin de traverser, j'ai fait le pompage, j'ai des muscles. Ça sert à rien, parce que les vrais muscles, c'est quand tu es Yahweh. Parce que quand les démons vont venir, même tes muscles, ça sert à rien. C'est ça, non? Ça sert absolument à rien. C'est cette église qu'on va chercher. Et les portes, comme on a dit que le nom ne nous a pas révélé, mais toute personne qui accepte et membre de son église, que tu sois dans une église locale ou pas, mais toute personne qui l'a accepté, qui a renoncé au péché et qui le suit véritablement, est membre de son église. Et son enfant a l'autorité, il a le pouvoir. Ouais, ben, il a reçu. Et les portes ne pourront pas de cette église. Il y a plusieurs portes. Vous allez voir que les portes, c'est quoi? Toutes ces églises qu'on connaît, toutes ces dénominations qu'on connaît, elles sont une des portes. Les portes sont quoi? Les faux prophètes. Les portes sont quoi? Les satanistes. Voilà un peu? C'est beaucoup de choses. Et on a déclenché la guerre. Comme je disais, Paul allait, c'est Paul qui persécutait l'église. Et le jour qu'il a rencontré la lumière, il a changé de route. La mission a changé. Lui-même, il est devenu aussi un témoin de Yeshua. Est-ce qu'il avait insulté les gens pour qui il travaillait avant? Non. Mais comme il a accepté Yeshua, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est ennemi. Et c'est lui qu'on a commencé à vouloir le suivre. Vous voyez un peu?
C'est lui qui a commencé à vouloir tuer. Donc c'est la protection, on a comment Zolang qu'on obéit. Zolang qu'on est en accord avec le papa. C'est ça que le Seigneur veut. Nous sommes un avec lui. Qu'on soit collé avec lui, qu'on obéisse. Qu'on sort de ces bêtises, qu'on sort de toutes les traditions. Et c'est ça qui va nous faire nous un vrai membre. Coutumes, des traditions, des religions, qui sauve. Ni l'islam, ni catholique, ni bouddha, ni ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. La pierre là qu'ils ont construit en Saudi Arabie, ça fait quoi? Les gens tournent autour. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça ne fait rien. C'est eux-mêmes qui ont construit ces pierres là, vrai ou faux? L'année, je crois, l'année surpassée, ils sont morts là-bas, ils sont partis. Et parce qu'ils s'écrasent eux-mêmes. Quand quelqu'un tombe, ils continuent à marcher. C'est ça le problème. Vois un peu? Qu'est-ce que la paix a fait? Les totems qu'on fait, la statuette qu'on a fait, là, Jésus qui ne grandit pas depuis, les sujets de la mère de Marie, il va grandir quel jour, on ne sait pas. Celui-ci, on a dit que Yeshua était monté sur la croix, il est mort, il est ressuscité. Mais vous avez toujours un jour sur la croix. Vous dites que non, c'est monsieur là aux yeux bleus, c'est lui qui est Jésus. Qui l'a pris en photo? Qui? C'était quel photographe qui l'a pris? Qui l'a vu? Quel appareil? Vous voyez un peu? Bon, on s'attache à ça. Il y a d'autres même qui prennent même les photos de leur pasteur qu'ils mettent. Il y a d'autres qui disent que non, Branham est Dieu, ils mettent la photo de Branham. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle dit comme on disait qu'on ne va pas faire des images taillées. Ça, non? C'est ça. C'est cette église qu'on va aller chercher. Cette église glorieuse. On va le voir dans Éphésiens. On va se retrouver là-bas. Ephésiens 5. Merci comment? 5. Ephésiens 5 à partir du verset 22, je crois. Vous avez trouvé Ephésiens 5, partie du verset 22. Femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Machia est la tête de l'Église. Il est son corps, et donc il est le sauveur. Là, on compare la femme avec l'Église. Et comme on demande à la femme d'être soumise à l'Église, on demande au mari, on demande, c'est la même chose qu'on demande à l'Église d'être soumise. En Christ, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête, das Haupt. On continue. Or, de même que l'Église est soumise au Machia, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et vous, mari, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau, la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sainte et sans défaut. Cette église qu'on vient chercher. Vous voyez les qualités de cette église? On a dit comme l'église est soumise. Vous voyez l'église, et normalement c'est une église qui est soumise. Là on dit que non, regarde, on dit la femme, regarde l'église, comment elle est soumise au Seigneur. Trois femmes sont soumises à nous. Tu vois un peu? Ça dit l'église. Les gens qui sont ici sont les gens qui se soumettent au Seigneur. Ouais, ben glorieux, saint, c'est à ce niveau-là que le Seigneur nous a mis. Irréprochable. On pouvait voir dans lui. Comment ça s'appelle? Zacharie et Elisabeth. Zacharie et Elisabeth. C'est cette église qu'on va aller chercher. Es-tu membre de cette église? Suis-je membre de cette église? C'est la question qu'on va se poser. Mieux vêtement pour chauffer les chaises. Ça sert à rien. Vous voyez un peu? Moi je me rappelle dans l'an 2000, Millennium, tellement que les médias toujours fait peur aux gens. Les gens sont réfugiés à l'église, ils tentaient de descendre. Parce qu'ils savaient que c'est fini pour aller. Le Seigneur a dit que c'est son église, ça veut dire que les bâtiments vont monter avec les briques et les chaises. C'est ça que j'ai pensé. Vous voyez un peu? On a donné une fausse image. Donc c'est toi. Quel membre de l'église, à partir du jour où tu dis, tu acceptes le Seigneur. Yeshua Mashiach.
Amen. Amen. Alors c'était un peu ça pour un bon début. Que ce soit béni. On va faire une petite pause. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors c'est bon de voir. Pas de questions. Mais tout bon. La diglash quand il a rien à comme elle s'est clair. Laissez les questions poser. Parce que c'est juste que c'est Kennt ihr das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wenn ich frag, bleibt? Ja. Also, danke, du fährst ruhig vorher, ne? Ja. 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 Les gens qui vont aller dans cette église, c'est ceux-là qui sont sortis du péché. Genau. Et ce sont des prédestinés. Parce que ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va accepter. C'est ça qu'on dit. C'est pas tout le monde qui va accepter. Un peu. Mm-hmm. Là, on doit faire attention. Parce que certaines personnes vont dire, moi, ça sert à quoi alors? Parce que si c'est déjà choisi tel. Vous voyez un peu? Voilà. Le Seigneur, il est hors du temps. Vous voyez un peu? Il est dans l'éternité. Vous voyez un peu? Dans la zone n'est pas tout. Et nous, on est limité ici. On a dit, Anfang und Ende. Ok? On a dit, je suis mal. Lui, il est hors. Nous, on est dans notre calendrier ici, 2020. C'est ça, non? Mm-hmm. Lui, comme il est hors de temps, il peut regarder ce qui va se passer ici, 2025, 55. Des vrais choses. Il est hors. Un peu? Mm-hmm. Et comme il sait, déjà qu'il y a telle personne, même si on le prêche, je ne sais pas quoi, et quand on se marque, il ne va pas accepter. Mm-hmm. Il le sait déjà. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a certaines personnes qui sont prédestinées. Ouais, un peu. Il y a d'autres. Voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Mais sinon, on va dire, bon, c'est rien, c'est la maison, on va dire, zo. Ouais, un peu. Mm-hmm. C'est juste, là, je choisis seulement elle. Non, des vaches, qui va accepter, qui va pas accepter. Mais c'est là qui est le plus difficile. C'est pour ça, pour nous, comme nous, on ne sait pas. Mm-hmm. C'est bien pour nous. Parce que toi, tu savais, tu vas te diriger direct vers tel. Tu vas s'appeler l'autre. Mm-hmm. On est obligé de prêcher qui? Tout le monde. Mm-hmm. Ouais, non? Mm-hmm. Parce que c'est les choses cachées à lui, les choses révélées, c'est là, à nous. Tu vois, non? On ne peut pas jamais dire, je peux pas dire, on va voir cela. On voit ce que le Seigneur t'a révélé, mais on va voir que ce sont des vices. Aussi longtemps que la personne souffre, c'est jamais trop tard. Le monsieur à la croix, c'était avant de mourir, non? Le monsieur qu'on a connu, c'était avant de mourir, non? Le monsieur, le souffle, il est resté. De voir que pas les amen. Il n'y a pas qu'on souffle. Ouais. C'est dans ce sens-là. Et voilà, le Seigneur est amour. Il a dit que le Seigneur veut que tous, si c'est possible, tout le monde qui revienne à lui, avoir vu les actes. Le choix, c'est dans la liberté. Il ne veut pas nous diriger par la peur, il veut non, par amour, que je le fasse par amour. Que tu réponds. Fafa. Fafa, y'a papa. Tu vois un peu? Mm-hmm. Fafa, reste déjà si je vous fais pas comme ça, tu vois un peu? Mm-hmm. Ouais, non? Mm-hmm. Mais que ce soit par amour. Mm-hmm. Ça te fait du bien, non? Mm-hmm. En tant que parent. Mm-hmm. Enlève un peu les chaussures. C'est moi les chaussures, hein? C'est rien de grave. Mais parce qu'on n'a pas obéi. Ça te fait du bien, non? Mm-hmm. Parce qu'il n'a pas seulement obéi à enlever les chaussures là. Tu peux me oser, ça te met la colère comme un grand faux. Voilà, mais et lui maintenant. Il veut qu'on fasse par amour. Ouais, non? Mm. C'est ça. Un verset encore qui me vient, avant de couper, par rapport au mensonge, avant qu'on termine. Actes des Apôtres, verset chapitre 4. Les 5. Chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Après. Vous pouvez trouver? Mm-hmm. Vous
vrai? Ok. Il y a tellement de noms de Chananias. Attends, Ananias. Avec sa fille, sa femme, vendu une propriété et détourna une partie du prix avec le consentement de sa femme. Et en ayant apporté une partie, il la déposa au pied des apôtres. Mais Pétrus lui dit, son ami, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu payes mon fils au Saint-Esprit et détourner une partie du prix de la terre? Si tu l'avais gardé, l'éternel resterait-elle pas et vendu n'était-elle pas à ton pouvoir? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé après? On continue. Et en attendant ces paroles, Chananias tomba et expira. À cause de quoi? À cause du mensonge. Ouais, un peu. Ouais, un peu. Ah non, la grâce. Ouais, il attend la grâce. Là, c'était déjà la grâce. Hein? Ouais, tout est déjà accompli, non? Le voile est déjà déchiré. Là. Ah, la grâce. On peut faire ce qu'on veut. Dieu est grâce. Grâce sur grâce. Hein? Super grâce. Voilà. Non, c'est pas comme ça. À cause du mensonge. Eux, ils croient qu'ils mentaient un homme. Ouais, un peu. Ils sont mis ensemble. Moi, c'était dans la liberté. Ils ont dit qu'on va prendre nos possessions, on va donner. C'était à eux. Je veux dire que non, il y a un autre dans ce balette. Être clair. Ils ont détourné. Ils ont voulu mentir. Lui et sa femme, ils sont mis ensemble. Ils ont menti. Ils croient qu'ils mentaient un homme. Mais Pierre a dit, pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Le monsieur est mort. La femme est revenue. On a demandé à la femme. La femme aussi, je ne sais pas si le monsieur l'avait dit, si tu dis, je te gifle. En tout cas, c'est pas. Mais elle a répondu comme ils sont mis ensemble. On a dit, toi, ton mari, là, voilà les gens qui viennent d'enterrer ton mari. Toi aussi, tu vas les suivre. Pas aussi, elle est morte. Or qu'ils étaient aussi membres de l'église. Mais, à cause du mensonge, tu vois un peu? T'as peu de l'avoir fait lever là, la pointe, un seul péché peut nous faire entrer le ciel. Ne blaguons pas avec le péché. On a été déterminé pour nous voyons. Tu veux le sens qui est pour notre prochaine. C'est ça. On va faire une pause. Et on va continuer.